tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Mais il y a quand même des points, il y a quand même des points aussi positifs. Sokozui vit à Congolais dans l'ensemble. Au tiers, on a un domaine de nuance. Vous trouverez les Congolais ne vivent pas. Rien ne marche. Congolais, ça a une angoisse, une inquiétude, une déception, une amertume. Donc, Azali, Moutoyo, Azana, n'a espoir en société. Je ne soutiens pas, mais je dis que ce que Papi Tamba a écrit est la vérité. C'est-à-dire quoi? Dans tout parti politique, alors, avec la CT, il y a une vie de l'Espagne. Dans tout parti politique, adhésion est la libre, quitter P est la libre. Lobby, tout le monde a dit, Louman, Bouchard, va quitter FCC, va quitter PPRD, va aller à l'Union Sacrée. Il dépense Alba et Loroté. Applaudis ça. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je mesure. Non, mesurer. J'avance. Okay. Aventure. Nous avons vu Jean-Jacques Mamba quitter le MLC pour le M23. Pour AFC. Il dépense Alba Guénine. Alba et Loroté parce que pour le MLC. Comme mes amis, Jean-Pierre Bemba, à sa partenaire, à Katia, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ils sont libres de quitter le PPRD. Jugez-les par rapport à la loi de la République, parce que c'est la rébellion. Mais que jugez parce qu'ils sont anciens membres du PPRD. Là, c'est manquer vraiment de sincérité, c'est manquer de rationalité simple. Fidèles téléspectateurs de DRC News, merci infiniment. On a dit que nous sommes tous aujourd'hui. Merci pour le message Nabino, en tout cas. On a un encouragement, mais en tout cas, ils allaient vraiment militer, hein, s'il vous plaît. Je vous demanderai toujours, s'il vous plaît, de nous soutenir d'une manière ou d'une autre, en vous abonnant, en nous suivant, hein, donc en partageant également nos vidéos, nos émissions, parce que nous sommes là, bien évidemment, pour vous informer. Alors, M23 a choisi Kiwanza justement pour faire porter triomphe. On a vu les spectacles Oyo Corneille Nanga avec les membres du PPRD au Barré Jeune, et surtout dans AFC. Tout le monde dit comment est-ce que le meeting n'a pas été fait dans Kiwanza. Et les points de vue sont partagés justement hein, par rapport à cela. Et il y a également les amis formation au gouvernement qui normalement devraient avoir lieu. Parce que le chef de l'État l'avait bien dit quand même. Dans les amis sortis médiatiques, dans les amis briefing animé conjointement entre Patrick Mouyayaki et le ministre de la Communication. Et le président Félix Antoine Tshisekedi l'a bien dit. Si seulement l'informateur lui apporte le dossier aujourd'hui ou demain, en tout cas il sera là justement pour notre tiers formateur. Formateur, il y a gouvernement, et puis on aura justement les amis gouvernement, j'ai dit gouvernement de quoi, gouvernement de qui sera à la tête, effectivement, il y a gouvernement et un mot. Les amis causés, la population congolaise, les amis causés là, parce qu'il y a tellement de choses, les amis, sur la table, et on aimerait à ce qu'on puisse évoluer d'une manière ou d'une autre par rapport à la formation au gouvernement. Voilà. Alors, je reçois pour vous sur ce plateau M. Ernest Mouille, qui est cadre de l'ICD. Bienvenue. Bonjour, M. Ernest. Bonjour, madame. Bonjour, ma téléspectateur. Ça va sinon? Oui, ça va, ça marche. Ce qui te suit, Mboka te tient dans le Pembeni, ça marche, mais ce qui te suit, Mboka te tient dans le Katiamitouna, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Mais il y a quand même des points, il y a quand même des points aussi positifs. Ce qui te suit, vie à Congolais. Dans l'ensemble, au tiers, on a un domaine de nuance. Vous trouverez que les Congolais ne vivent pas. Rien ne marche. Les Congolais ont une angoisse, une inquiétude, une déception, une amertume. Azali, Moutoyo, Azana, na espoir en société. Donc, le peuple a perdu espoir. Or, il est demandé au peuple à perdre espoir. Mais on perd l'espoir tel le moment où Bato et Sengi ont conquis sa espérance
basale ko tourner à rond avec la macérisme au sommet de l'État. Voilà. Alors voilà, tout est quand même pour la bisonion surtout. Na bino baye, aussi baye politico, na biso baye, pas disango, na ezali population ata ata toujours matoi na epo na koye bani ezali koleka na kati ya mboka na biso tout est comme on a sorti hein meeting ezali maki tomoni Corneille nan effectivement et puis tomoni pe ba ndeko musu ba bakisa maki. Mais j'aimerais quand même vous lire ce qu'a écrit M. Papi Tamba, s'il aura un jour l'occasion quand même de venir partager les plateaux avec nous. Il a dit que le PPRD n'a pas invité et logé le M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Kagame n'est pas frère, ami et partenaire de JKK. Maman Olive Lembe n'a jamais dansé avec Madame Kagame. Quand on nous quitte pour l'Union sacrée, on peut aussi nous quitter pour ailleurs. Laissez-nous tranquilles. Ça, ce sont des phrases, des écrits de Papi Tamba pour justifier la présence de la déconnée de Bali à l'intérieur de tout le monde. Et sa justification, c'est sa vérité. Et sa réalité. Et sa réalité. Mais si on va encourager le pouvoir, on a encouragé à moitié. On va dire qu'il y a un pouvoir, tout le monde qui a un certain moment, et bien l'ongoué, parce que je ne sais pas ce qui va se sentir frustré, je ne sais pas. Pourquoi va rejoindre les lots rébellion et vous soutenez ça, monsieur Ernest? Je ne soutiens pas, mais je dis que ce que Papi Tamba a écrit est Zaraka vérité. C'est-à-dire quoi? Dans tout parti politique, alors, on va tono vide à IDPS Mayoka. Dans tout parti politique, adhésion est Zaraka libre, quitter P est Zaraka libre. Lobby de Monaki, Luman, Bochab, va quitter FCC, va quitter PPRD, va aller à l'Union sacrée. Il dépense à l'Union sacrée. Applaudis ça. S'il vous plaît. Oui, sûr, je mesure. Non, mesurer, j'avance. Okay. Aventure. Nous avons vu Jean-Jacques Mamba quitter les MLC pour les M23, pour AFC. Il dépense à Baguenin. À Baguenin, parce que, colon MLC, comme les alliés, Jean-Pierre Bemba, à sa partenaire, à la Katia Union, ça va les Kinyan. Et aujourd'hui, ils sont libres de quitter le PPRD, pas qu'ils ne savent pas de ça là. Jugez-le par rapport à la loi et à la République, parce que c'est la rébellion. Mais que jugez par rapport parce qu'ils sont anciens membres du PPRD. Là, c'est manquer vraiment de sincérité, c'est manquer de rationalité scientifique. Et moi, je ne sais pas comprendre et attendre quelque chose, dans mon cas, dans mon cas, à réfléchir, bon mot. Que comme on a quitté PPRD avec une rébellion, il faut chercher l'époux sur la tête de Kabila. Je ne défends pas Kabila, mais je suis rationnel. Mais ça, c'est un raisonnement. Ça, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Oui, bah ça, trois la Kéry. Alors, qui trois la Kéry? Bon, autant ou bateau, on a ce ballon, on a qui est ignore ça. Mais lequel la Sylvie Namoutoua n'a pas? Mais on les a mis différents, bah on va vous servir un bon, bah on va vous servir un. Maintenant, je reviens pour vous dire que, avant la mi-décembre, à l'issue de ces élections chaotiques, on vous a organisé, on a organisé, frère Naé, cousin Naé Félix, attendez-vous à ce que, rappelez-vous, à ce que Moutouna Moutou a appliqué. Article 104 n'a n'engagé. Mais bon, on va participer à l'élection. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne demande pas, on ne demande pas seulement. Non. Il y a frustration. Je revendique n'engagé n'engagé d'une manière pacifique. Bon, on va se mettre à cause de la pacifique. Mais je vous ai dit, je vous ai prévenu ici que l'élection est en haut. La situation autre ça, chaque Congolais a quoi appliquer l'article 64. Je vous ai dit, alors il ne faut pas pousser, n'a pas qu'à voir, il ne faut pas pousser Batumoussousou, parce que la raison que Nassimananga, malheureusement c'est arrivé. Pourquoi? Pour la simple raison que mon folie à pouvoir, et moi, comme ma raison, il faut attaquer parce que tu dis qu'il peut perdre la finalité. Binopé, vous m'avez hésité. Tu hésites à quitter, tu sais que la préalable. On n'a pas hésité. Mais ce qui est frustration, c'est créé dans la Katuana. Il faut que ça prenne la naine, il faut que ça prenne la moka, il faut que ça prenne la partie politique. Le pouvoir organisateur des élections.
Bon, ça prend un aïe. Non, on a dit qu'il attaque les régimes de Tshisekedi, il n'attaque pas les Congolais. Il attaque les régimes de Tshisekedi. Les Congolais sont là. Oui, non, on a tué les Congolais. Non, on a tué les Congolais avec les armes. Et moi aussi, Tshisekedi aussi tue les Congolais par manque de soins de santé appropriés, par chômage, moutarisation, tchassanisme, avesaki. Tous pour Nangaï, la Tshisekedi, sont des traîtres pour la nation congolaise. Alors, peine de mort, là, je veux parachever le cardinal. Voilà, peine de mort, il faut commencer par d'abord prendre Obaza au pouvoir, Kinshasa. Parce que tu es à petit feu le peuple. Maïté, courante, transporté, Nzelate, Moussalate. Vous comprenez? Vous êtes dans le monde de M23. Vous êtes dans le monde de M23 alors que vous êtes en train de détourner. Vous sacrifiez même les générations des générations. Pour 1 milliard, vous allez sacrifier l'aéroport Yanjili pour 29 ans. Il y a des gens qui ont eu M23. Mais il faut ça. Donc, moi, il ne faut pas chercher des poux sur Moutou et Kabila. Nemoro Bakita qui, FCC, il y a une union sacrée. Nemoro Jean-Jacques Mamba qui quitté MLC, à qui M23. Nemoro Olobi qui a quitté MP2 à M23. Ce sont des Congolais qui bénéficient de leurs libertés individuelles. Bazali, Moutouna Moutazali, responsable d'un acte naé devant les lois de la République. Il ne faut pas que ça là côté dirais-je, raccordement frauduleux pour créer sa frustration. Et vous devez comprendre une chose, c'est qu'il y a un retard pour ces régimes, 5 ans durant, une nation, c'est la cohésion nationale. Ça a été tué, et les actes, les propos que vous continuez à tenir, ils ont ce qu'on détruit cette cohésion nationale, là, m'a cassé, et nous serons toujours faibles devant d'autres nations, tant qu'on n'est pas unis. On n'est pas unis, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui vous a dit. Non, il n'est pas un unificateur. Il vous a tendu la main, n'est-ce pas? Non. C'est un hypocrite. Je vous dis, vous avez vu Kabila tendre la main à l'opposition. Non, Kabila benga baye, baza pour ça la confiance entre Bissonnon, son bavan dans la 4-4 au Solona. C'est comme ça qu'on gère la République. Autant que Bissonnon, bon, ça, nous parlons, non? Yo Bayer au son locataire. C'est lui qui gère, non? Non, le bien ne lui appartient pas. Il est là d'une manière frauduleuse. Bon, mettons de côté façon comme il a dit. Mais aux locataires a parlé de raison pour dire que la République ne vous appartient pas. Après une durée pour quitter, tout ça vous remplacer. Alors quand on parle de République, il faut qu'on ait émotion, ego, sentiment qu'on tient de côté. Il faut ça pour toi avancer. Sinon, on va tourner à rond. Tu as besoin de l'idée qu'on a été. Tu as besoin d'un dialogue sincère autour de la toison inspirée de sa confiance. Le père de l'église, par exemple. Non, but de Bolivie, dialogue et ça, les père de l'église, Mazalawan. Ce sont eux qui nous ont toujours aidés. Tu as dit, en 90, nous avons vu les évêques, la tête à la conférence nationale, Makena Makambouti. Au bout d'un moment, on a besoin de ça. Mais vous avez quand même et vous avez confiance dans la père de l'église. Non. Vous avez accordé qu'à confiance. T'es, et ça, on a confiance dans la père de l'église. T'es, et ça, Madame Moussoussou, les partis en conflit. C'est besoin de sincérité. T'es, il y a mitéma, besoin d'unité, t'es, mitéma, n'a pas d'esprit. Pour qu'on ait une émotion, vous mettez alors le médiateur dans la difficulté. Vous vous rappellerez qu'un jour, Wad, alors là, la classe congolaise n'a pas de maturité. Tu as dit en 1990, les lots 30 ans après, regardez les politiciens congolais. Donc c'est ce manque de sincérité, d'honnêteté, quand on a une unité de cœur et d'esprit, pour l'amour à la mission, des fois, et tu as un homme médiateur dans la difficulté, la commission royale, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils ont ça ne leur permet pas de trouver maintenant des solutions. Et ils ont dit le propre pays qui est des bossons. Et heureusement, Kabila, à son époque, a acquis un message, tant que moni, ma camoisa a bloqué. Ma prêtre, ma yéla qui est rapport, et zara qui n'dambou. Elle s'en bonzon, ma boke, n'de kossi, ça. Ceci est zara qui adhésion complète, il y a opposition à l'époque, avec le papa Etienne Tshisekedi, pour tout le monde à crise, pour organiser une élection, tiens le moni, tout ça, et ça, tout ça. Mais finalement, je ne sais pas, je crois, 64e anniversaire, l'indépendance de refléter na. Vous fêtez le 30 juin. Il y a qui bolole. Oui, mais justement, tout ça y est batté. À l'époque, les politiciens étaient
L'indépendance. Mais par rapport à la peine de mort, justement, où ils allaient partager aussi, surtout côté opposition, pour l'opposition, père religieux, mais une partie quand même, il y a population, parce que très très mal équipé, tellement mini, surtout dans la tête, il y a armé, Les premiers traîtres, c'est le même Félix. Et vous comprendrez que lorsque Ndeko Chilombo a eu la décision pour abolir le moratoire sur la peine de mort, c'est parce qu'il est cuit. Il est en perte de vitesse. Il a échoué sur le front diplomatique. Il a échoué sur le front militaire. Maintenant, il ne sait plus quoi faire. Oui, il veut maintenant régler des comptes. Je vous dis sincèrement, parce que vous allez vous rendre compte. Écoutez. Lorsque vous avez tribalisé même l'armée, vous attendez quoi comme résultat? L'armée est tribalisée en plus. Madame, n'attendez pas un résultat au moment où même les officiers supérieurs généraux de l'armée, on a quand même un traitement des années égalité entre bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, quel est cet officier, quel est ce militaire à éviter qu'un dormeur dans l'Assemblée nationale touche 21 000 dollars alors qu'il y a en moins de 150-200 dollars? Mais il y a un peu de temps que les députés ont touché plus que les militaires. Mais il y a une solution, mon petit cas là, ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, lui-même, si l'on me passe dans ma chaîne de télévision pour enfoncer encore les clous, pour dire que 21 000 dollars députés sont réservés à tout moukier, parce qu'à Koundara Bibembe, à Koundara Mabengi, à celle qui sera pas malade. Et les autres? Le pays nous appartient tous. Il faut une justice sociale. Une justice sociale, c'est-à-dire répartition équitable et équilibrée. Il y a la richesse nationale. C'est-à-dire quoi? L'objectif est que nous avons un salaire de mon âge, président de la République. Le but est que France soit mon ministre. Mais du moins, ce qui moi, on a signé dans son bilan, les cahiers dans le supermarché. Supermarché, dans mon cas, la justice sociale des alliés. Supermarché, le ministre, il a raté. Il y a fonctionnaire de l'État, il a raté. Il y a militaire, il a raté. Chacun, la place, il a raté. Dans le foot, il a réservé. Il est à mesure, il a refaire vivre la famille. Il n'a pas une auto. Oui, mais le tout le monde est à mesure, il a refaire vivre. Bon, comment vivre en allô là? Donc voilà, ce sont des réalités où il y a tout père de famille. À mon hasard en front, téléphone les a ressonné à madame. Moi, les a repéré là. Oh, attendez que là, c'est une unité. Bon, ceux qui t'ont hasard militaire en front, ils peuvent les souffrir. Bon, ça a coupé les rendez. La République a trahi ses fils, ses dignes fils. Autrement dit, la police, autrement dit, armée. Il y a un moment, il peut qu'on bouge de la République. Voilà. La faute revient à la République. Quand je parle de la République, ce sont les dirigeants. Tous à la bataille. C'est une vérité. Regardez comment ils sont entretenus à l'armée. Et on avait des victoires. Ce sont les mêmes militaires. On va appeler ça Kadhafi. Les sons de la bande d'Aouzou, la Tchad, sont les mêmes militaires d'expliquer na Neto avec sa vie, mais sont les mêmes militaires qui ont défendu la République avec bravoure, avec fierté partout, dans ma formation, tout ça. Le problème ici, c'est Félix. Donc, tu perds de dignité ou en aïe? On a perdu, et les 5 ans, Félix, sont enfoncés sur ma casse. Parce qu'il est venu pour détourner, s'enrichir, faire de son club de millionnaires et pas les Congolais. Voilà, la cause, c'est ça, c'est la réplique, c'est la mauvaise gestion à Moka. Nous en base, nous sommes aussi vieux. Il y en a même une dynamique interne. À l'interne, si on n'est pas sérieux, on ne se regarde pas droit dans les yeux pour nous dire certaines vérités. Pour la première, on a été moutonné, on a congolais, on a droit à quelque chose.
Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur a opposé son nom à rebelle à la capitale sans pour autant numéro 1 à Mokayeba? Qui trompe qui? Même si vous dites ça aux enfants de maternelle, bah encore, quand même, il fonctionne encore. Non, Félix, c'est que tu dois comprendre que Congolais, bah Congolais, il est basali. Quand vous êtes président de la République, vous êtes premier ministre, vous êtes président de parti, dès que vous êtes parti, vous êtes gouvernement, vous êtes un bon catholique, vous êtes basalité. D'ailleurs, dans la logique, mais Ernest, quand je parle de mes conseils, c'est la conseil avec Ngamaël. Quand tu as mon tout conseil, c'est reconnaître que ça va à tout haut et les kio. Malheureusement, chez nous, pour Bazar Bazar, on va complexer. Ils cherchent à mettre des gens faibles dans l'entourage de Baron comme conseiller. Pour passer les gars, il y a besoin. Mais les lots diplomatie à Félix Antoine Tshisekedi est-il Kagame KO? Parce que nous, lors de la déclaration à Kagame, on sent que c'est lui qui perd de vitesse. Ah, perd de vitesse, t'es. On va expliquer une dérotule pour éviter comment est-ce que l'international fonctionne. Kagame a dit comment est-ce que l'international fonctionne. Kagame a dit comment traiter avec ses voisins. Kagame a dit comment manipuler l'opinion internationale. C'est ce que notre frère a évité. C'est ce que notre frère a évité. Il y a un moment où il y a un sommet de l'Ottawa condamné. Ata ba lobi ke Kagame nous agresse, mais ba condamnation, ba sanction. Tard à venir. Non, c'est faux. Madame, vous êtes de la presse. Vous allez peut-être en avoir organe ou à soubestimer la vérité dans le Congo. Parce que les trois pouvoirs, ils ont déjà le côté amiable, il y avait incompétent, il y avait médiocre, il y avait dépassé. Vous avez dit qu'un organe à soubestimer la vérité. Dans mon oro, c'est la presse. Joseph l'agression rwandaise est déjà yakoye maintenant avec Mouzé. Personne. Ça, tout le monde connaît. Mais donc, il doit comme Félix l'a fait aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Il a répété seulement « Oh, le Moussa, le bas, oh, le Kabila, le bas. » Tant que c'est un discours, on est en train. Vaut mieux tard que jamais, mais nous avons vu Kabila montrer aux yeux du monde que les petits Rwandais au Sahara ont sauté Mamadou dans la bête à M23. Aujourd'hui, nous voyons Nanga aller dans le territoire congolais à sa limiting. Il a été sous corps, il a mis les api, drone, les api. À sa limiting, pas de bien accueilli. Et ça l'a maté avec Kabila. Donc, pour vous dire que s'il faut autant que ça, ma propre géographie, c'est la sincère. Botan ça soba bana te kana superficiel Congo c'est 2,345 km². Botan bolongo la déjà Kiwanja, Masisi, Bunagana bolongo la déjà. Et je vous informe au moment où nous revoyons ici à Kinshasa na ba Chivas na ba whisky na Kibolole. Presque toutes les grandes puissances, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Allemagne, Belgique, ba d'accord là qu'on revoit ma frontière il y a RDC. Ici, il y a partage à 1985. Ça, je vous informe. Nous sommes déjà. Ça, je vous informe. Et le schéma que je vous ai toujours expliqué, derrière Salami, va congoler Balongwe, va occuper territoire Rwanda. Avant à cause on va dire que il y a des Congolais réfugiés dans Rwanda, dans Burundi, Bazoya, Kotvan, Dawana, Okati Kagame. Il a des réfugiés congolais, Bazoya. Mais ce schéma, nous avons dénoncé cela. Et peut-être il faut dans un homme à séquer pour que vous ayez un homme à séquer. Mais tu le vois, rien ne va se faire sans les Congolais. Le président Félix l'a dit. Donc, vous n'êtes même pas d'accord là, le président Félix. Je vous dis sincèrement, il faut nous embêter dans un homme à belle homme. Il faut aller pour l'animal, le président Félix l'a dit. Ce n'est pas ce qu'il faut en au Conseil de sécurité. Professeur. Je vous informe. Je vous informe parce que toutes ces parties-là, Rwanda, Rekamakango, Belgique, annexant au Makas. Et quand Félix est parti en Belgique, il m'a fait ça d'information.
Donc, ne soyez pas étonnés dans les jours à venir. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir. Bon, on n'a pas retracé frontières et RDC. Et bon, ça est le côté, parce que le moment là, FABC a Zakounaté, M23 s'est installé à l'administration civile. Il a des territoires. C'est-à-dire te perdre Massissi, te perdre Bounagana et Zalissouzou. Je crois que vous m'avez compris. Ces partis ont toujours été réclamés par les Rwandais. Aujourd'hui, nous sommes au point, il y a cette communauté internationale, après ça va avoir raison. Et qui tient ça en dehors. En dehors. Madame, l'autre fois, je vous ai dit ceci. Attention avec la communication. On peut vous distraire avec des propos, mais l'intérêt de M. Salam. Et Roland, dans la déclaration à Kagame, lorsqu'il demande à Félix de retirer ses mots, ses propos concernant une quelconque attaque, il y a Rwanda, peut y avoir départ à régime à Tshisekedi. Vous savez ce que le plan international, c'est que ça veut dire. Et puis, il conditionne rencontre Nahenan de Tshisekedi dans un retrait à propos en entre-temps, dans l'avance. Continuez à rêver, nous vous observons. C'est ce qu'il a dit. Je rencontrerai le président Tshisekedi. Il a dit, comme lui, il a posé des conditions. Donc, moi aussi, je peux poser des conditions. Mais madame, c'est le français. C'est le français. Justement, les conditions sont déjà là. Une autre erreur. La délégation de Kinshasa arrive à Luanda, reconnaît la présence des FDLR sur le sol congolais. La conséquence, c'est quoi? On donne raison à Kagame d'avoir armé les M23. Parce que nous aussi, on nous reproche d'avoir armé les FDLR pour attaquer le régime du Rwanda. Quelle diplomatie! Quelle diplomatie! Après le tournoi, là, Zonga la barre, il y aura au sein de la dossier. Tika diplomatie! Tika diplomatie! Il n'y a rien, comme diplomatie. Il n'y a rien comme fruit, comme résultat positif sur le plan diplomatique. Vous reconnaissez la présence des FDLR. Où est-ce là quand l'étimotif, il y a Kagame pour la quoi attaquer Bissou. Vous reconnaissez vraiment. Entre-temps, vous frustrez les FDLR. Ça, on doit se le dire. Qui nous accompagne? Qui nous accompagne à l'Est? Quand on parle Wazalendo, Wazalendo à l'intérieur, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Donc, voilà cette diplomatie. Wazalendo à l'intérieur, il y a à boire et à manger. Bon, vous voyez, après, la Kinezongaka. Kinezongaka. S'il vous plaît, professeur. Wazalendo à l'intérieur, il y a de boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Ah oui, il y a à boire et à manger. Ce sont des patriotes. Mais, ce sont des patriotes. Je n'ai pas dit que, ce ne sont pas des patriotes. Mais j'ai dit à boire et à manger. Foufou et Zali, Ndoune des Zali, Poisson Zali, Moutoussa, Mila Massanga, Moussa, Binga, Nabonia, 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 Merci pour l'interprétation. Oh, professeur. Alors, formation au gouvernement qui tarde aujourd'hui. Il y a certaines choses déjà qui devaient avancer. Mais on attend l'informateur, on attend le formateur justement qu'on a pour composer le gouvernement. Oui, ça doit tarder parce que Ndeko Chilombo aza maman a créateur à la frustration. La nation. Maman a créateur. Les réalisateurs à l'objet, si ça tarde, c'est parce qu'on ne veut pas créer des frustrations. Bon, on n'a pas gagné les RT. Mais il y a des frustrations. Surtout dans la cour consonne. Madame, arrêt à la cour est inattaquable. Vous avez dit, non. Il y a une chambre pour revoir les erreurs matérielles. Il y a arrêt à cour sur. Les résultats définitifs des élections. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Madame, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ce pays ne manque pas de têtes bien faites. À la place des têtes bien pleines, oh, tu l'as pas placé. J'ai dit ceci. J'assume mes propos. Ces pays regorgent des têtes bien faites. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah. Bah, nous, tu auras la femme, on va utiliser mon annoté. On va en aller, on va utiliser mon annoté. On t'en a des femmes communicatives à l'IDPS.
Des fois, communicateur, il y a eu des fesses. Ah ouais, là, on a déjà les noms. Des têtes comme il fallait me donner ses doigts. Non, on va utiliser. Des ses doigts, on va utiliser. Tout le monde va utiliser. Ah, bah, Mindele va utiliser. Il a travaillé dans ma société étrangère. Il a travaillé pour la Mindele. Il a travaillé dans ma société étrangère. Bah, il y a des fois. Mais là, quand on parle pas. Il a utilisé pour la Mindele. Mais il a travaillé là-bas, madame. Souffre clair dans mes propos, non? Pour détruire les pays. Mais aujourd'hui, on prend un candidat de l'étranger, on le place là-bas. C'est qui le candidat? Tu sais qui a dit c'est le candidat de l'étranger? Alors, quand ils ont un laboratoire de mensonges, la première chose, c'est quoi? C'est prendre cette étiquette-là des candidats de l'étranger, va coller en mode à Moussous. Il y a mon co-colo, ma cambo, il y a LGB, il y a mon co-colo. Mais vas-y, on va coller en mode à Moussous. Là-bas, là-bas. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont dans les mensonges. Ils sont dans la logique qu'on a dit. Ce gouvernement va tarder de sortir et à sa sortie, les frustrations vont encore grandir. La cohésion nationale et copains de la ressource, bien, bien, tu ne me viendras à la table de négociation à genoux. Après avoir perdu toutes les armes. Regardez ce que je vous dis aujourd'hui. Nous tous, on va à la table de négociation à genoux devant l'opposition armée, devant l'opposition politique. Avançons. Et je vous dis, les frustrations vont continuer. Et la table de négociation, tu le bourreau. Comment on a position, gouvernement congolais, au regard de la table de négociation, la position de faiblesse, à genoux. Mais bon, on va se la rendre pour la peuple, tout va se la rendre pour la barre. On va créer une frustration pour la nuit. Est-ce que c'est tout le monde qui doit faire partir du gouvernement entre nous? Madame, madame, nous sommes politiques. Nous sommes dans l'opposition. Il y a une famille qui dirige. Tant que la famille est dirigée, nous sommes en opposition. Si le tribunal va cadrer nous sur 100 km du pouvoir, les gens vont en avoir. On ne sait pas comprendre. Il y a du pouvoir, ok, pour ramasser tous les bois que vous reprochiez hier d'avoir tué le pays. Aujourd'hui, on va sur la carte de la famille politique. On dit les gens vont en avoir. Vous faites quoi? Mon colonel, il y a au monde, comme Joe Biden a dirigé, on a battu. On va dire que c'est de façon Trump. Allez, va quitter, va qu'il n'est pas Biden. Mais non, on va tout à dire si ma la Hollande, on va dire si ma la président, candidat président en France, bah si ma ya Macron. Non, moi je ne comprends plus rien. C'est qu'on définit comme politique, politicien, la mouka. Qui que nous sommes là dans la mouka, t'as eu pouvoir et nous manquons de cadres pour diriger le pays demain. T'en as besoin pour la vie. Bon, moi, c'est un incompétent intellectuel. Alors, ça, on va diriger le pays. Tous ceux qui ont tué le pays, dans un dossier ou dans un autre, bah, qu'on méritait, qu'on gérait. Donc, on sait qu'il y a un rêve à 2028. Hein, a un rêve à 2028 ou pas. Mais nous avons mission de sauver ce pays avant de quitter cette terre des hommes. De sauver Mouka. Parce qu'on en a marre. Toujours comme ça, comme l'année prochaine. Il n'est pas versatile. De quelle manière? Il n'est pas versatile. Comprenez dans la vie, ce que Batignon soit ignio, c'est que tu es dans la vérité. Fidèles téléspectateurs, l'émission est terminée. Merci beaucoup. C'est vous qui me remerciez. On se retrouve prochainement.